Attention. Ah, c'est bien de passer devant, mais vous avez... Attends, mais faut aller par où là? Arrêtez-vous sur le côté. On vient de m'arrêter, vous êtes flic? Ouais. Ah oui, mais si vous êtes devant. Ah ben oui, on s'excuse. On a été pris par tout. C'est pas grave. J'étais en train d'échapper. Hein. Allez, on y va. Merci. Il y a feu rouge. Mais il y a feu rouge. Ah ben oui, vite. Feu vert. Merde. Ouais. Sinon, il y a feu vert, on peut y aller, il y a feu vert.
Purée, c'est une bonne balade, hein. Oui, bah oui, c'est ce que vous avez dit. Vous avez quelque chose avec moi, monsieur Gate. Ah oui, c'est... Heureusement qu'on s'est mis en condition, quoi, au niveau des vêtements, parce que... Ouais, oui. Manquer un peu l'échauffement, mais... Ah, station essence, peut-être l'essence. On n'a pas besoin, nous, hein. On m'a l'air déserte, la station. Ah non. Quoique... Ah, ah. Il en fout très bien sur son BMX. Bah pardon. Vous n'avez pas fini. Dedans. Si t'es arrivé. Mais je suis tombé naze. Il me dit quelque chose de type blanc. Le quoi? Le gars avec les cheveux longs. J'ai peur. Il me dit quelque chose.
On va vraiment prendre cette route, sans ça, je me sens mal. La technique, c'est d'y aller doucement. Ah, je suis pas sur la bonne fréquence de la radio, je crois. Derrière. Bah, en fait, on a quelqu'un qui a un BMX, du coup, c'est compliqué un peu. Mais ouais, je suis ravie. Avec les motos, on peut le tracter. Hein. Je sais pas si ça, ça peut marcher, mais bon. Je lui avais dit qu'elle allait en chier avec son BMX. Vous me croyez pas. Ceux qui sont devant, vous pouvez redescendre, on va faire une pause un peu plus bas là. Faire une pause au vignoble. Un vignoble, bah c'est au-dessus. Vignoble, oui, bon, on n'est pas très loin, je pense. Hein. Ouais, on est à côté là. Voilà, c'est ça, on fait une pause là-bas, ceux qui veulent. Oh, pardon.
Je crois qu'il y en a qui sont allés plus loin qu'au vignoble et qui sont pas sur radio. Bah, peut-être que tout le monde n'a pas de radio. Non, il y en a certains qui n'ont pas. Force à eux. Bah, écoute, nous on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas. On fait pas garderie, hein, donc. C'est sûr. En même temps, c'est pas comme si tu leur avais dit que tu. Ah bah, regarde, il m'appelle. Allô. Oui, Jeanne Le Nez. Oui. J'ai crevé en contrebas, donc du coup, je suis en train d'aller en roue arrière au garage à côté pour prendre ma moto. Ok. On est au vignoble. T'as dit quoi? On est au vignoble. Qu'est-ce qu'il y a à vignoble? Ah bah, nous? Ah oui, bah je vous rejoins vignoble alors. Mais tu peux leur dire que du coup, j'ai crevé, donc je vais les rejoindre en moto-moteur. À tout de suite. Oui, à tout de suite. Bah écoutez, bienvenue à Saint-Andréas. Puis c'est merci à vous de participer à cette petite promenade, c'est sympathique, hein, vraiment, c'est un plaisir. Oui, on fait un peu de sport comme ça pendant un peu de... Personne ne pourra nous reprocher de ne pas faire de sport. Et si dans une semaine on dit, c'est aussi, il faut aller faire un peu de sport, mais je vais faire le sport. Ah oui, c'est mort, hein. On pourra pas avoir ses reproches. Je vais essayer de manger un petit peu quand même, parce que ça creuse, hein. Ça creuse. Ah, vous fumez, monsieur voilà, je savais pas. Ah oui, de temps en temps. Eh ben, vous avez bien raison, hein. Enfin, je sais pas si vous avez raison, mais d'accord. Ouais, c'est vrai que dans le sport, c'est pas le mieux, mais bon. Oui, oui. Mais bon. Vous savez, pour rien vous cacher, moi aussi, des fois, au gouvernement, je fume une cigarette. Hein. Eh, je ne dis rien à personne, hein. Ouais. Je mets tous les gardes dehors. Je leur dis, écoutez, il y a un risque d'attentat niveau 55. Veuillez tous vous mettre autour du gouvernement. Et là, tout le monde s'en va, puis je fume ma petite cigarette, tranquille. Puis je dis, voilà, l'alerte est levée, messieurs. Et là, ils reviennent. Ah oui, quand même, hein. Très beau, très jolie moto, hein. Ah oui, oui. Ah, mais il y a le groupe Eto qui arrive, formidable. Jolie moto, mais c'est vrai, très jolie, hein. Ouais, elle est bonne. T'as très joli masque aussi, ça me rappelle quelque chose. Ah ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Tiens, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Oui. On a ton masque. On a oui, bon, tout. Oui. Ouais. Merci beaucoup hein, pour votre aide, hein, monsieur. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Votre. Enfin, c'est votre famille, ça appartient à votre famille, là, vigneron? Ça vous avez des contacts? Monsieur Dozy, non. Non, non. Non, pas du tout. C'est des gens que je ne connais pas. Non, non. Les vignerons actuellement. Ouais, puisqu'on nous a ouvert, du coup. Oui, vous inquiétez pas, j'ai l'autorisation de rentrer. Je prends l'autorisation de rentrer, hein, vous inquiétez pas. Mmh. Ouais, j'ai une question, vous avez déjà vu ce masque, vous? Masque. Moi? Non, ben, non. C'est... Ah. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Après, celui-là, précisément, non, je sais pas si c'est celui-là, mais ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quoi? Ah. Rien. Oui, disons que. Ah, ok. Mais c'est que ça te rappelle quelque chose. Monsieur Gaines, ça peut être un masque, vous savez, des fois quand il y a beaucoup de fumée ou de choses comme ça. Ou de pollution. Ah, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Certains motards, ils mettent ces masques-là. Enfin, c'est pas forcément des masques, non. C'est considéré des cache-nez, je crois, ou quelque chose comme ça. Je serais bien mal à l'aise. Mais on voit certains motards qui en ont, hein, pour. Ou de la poussière, hein, quand ils se suivent ou quand ils sortent. Ah ils bah, à haute vitesse, pas envie de gober les insectes, quoi. Oui, il y a ça aussi. Oui, oui, normal, normal. Alors, il y a les casques aussi. Mais du coup, pourquoi vous avez pas pris des vélos pour me suivre? Si je monte sur un deux roues, il faut qu'il ait un. Ah, ok, ok.
Faites tout pareil. Ah ouais. Et pas un moteur électrique, hein, je vois venir les pseudo-écolos là. Non. Oh non, j'en suis pas. Non, non, on n'est pas les pseudo-écolos, je permets de rectifier. Alors, effectivement, on pourrait en faire partie. Disons que nous sommes des sportifs. Contrario des personnes qui sont en moto, vous voyez. Ah ben j'ai vu, oui, monsieur Dozy, j'ai vu, vous en voyez hein, sur un vélo. Hein. Oh ben écoutez, j'ai plus de jambes, hein. Ne le dites à personne, hein, je dis à plus de goût. Hein. Bientôt, je vais commencer à prendre un petit produit, là, une petite aspirine, parce que la douleur, ce soir, je dors pas. Hein, voilà, rhumatisme et tout. Ouais. Une aspirine, ouais. Ouais. Ils ont peut-être de la Red Bull dans les sacs, les médecins. Oui. Ah mince. Je crois que ça fait un très bon apéritif. Oui, si, hein, mais je peux ça. Ouais, non. Mais, ah oui, il faut que je boive quand même, il faut boire, hein. Ah oui, pensez. Donc, oui. L'important, c'est pas avec quel véhicule on est ici, l'important, c'est qu'on soit tous ensemble, voilà. Le reste, c'est pas important. Pardon? Et c'est beau ce que vous dites. Ben mais... oui, c'est évident, ça permet. Vous savez, il manque pas de personnes. Je viens de rencontrer une personne qui vient d'arriver en ville. Ah ben, elle est derrière moi. Mais pourquoi vous êtes derrière? Faut dire quand vous êtes derrière. Venez, monsieur. Venez, venez, approchez-vous. Elle vient d'arriver en ville. Oui, mais c'est très sympathique de se trouver à nous. Ah oui, c'est moi. La vache méconnaissable. Mais de quoi méconnaissable? Mais en fait, j'étais en train de monter. Et mon pneu avant, il a explosé. Donc du coup, je suis redescendu sur le pneu arrière. Et je suis allé chercher ma moto. Ok. Et j'en ai profité pour me changer parce qu'il faisait chaud avec le soleil qui tape. Ah ben oui. Ah oui, forcément, hein. Oui. Oui. Oh ben écoutez, c'est parfait, hein. On a fait combien de kilomètres à votre avis? Quelqu'un a une idée? Je dirais une petite dizaine. Là, vous avez fait 4 km 8. C'est peu, 4 km 8. 4 km 8 ? C'est ce que vous venez faire, hein. Il y a 10 km pour aller à Palaiseau, de LS à Palaiseau, même en partant de Pays. Bah oui, mais mon automoto, elle me ment pas, hein. Le compteur de kilométrage, il me ment pas, hein. Ah oui, en principe... Oui, c'est parce que on était beaucoup en montée, donc on a l'impression d'avoir fait 25 km, mais pas du tout. Et surtout qu'en fait, on n'a pas fait tout le tour, hein. On n'a pas fait tout le grand tour, on a coupé en plein milieu pour faire un angle droit. Donc on a fait moins de kilomètres de ce qui semble sur la carte. Ah, bah, cette théorie est peut-être valable, hein. Oui, oui. Je réfléchis des fois, ça m'arrive. C'est intéressant. Oui, à peu près 5 km. Donc après, oui, en tout, peut-être ce soir, on aura fait plus de 10, peut-être. Magnifique. Honnêtement, ouais, je pense qu'on en aura fait une dizaine en revenant. Une bonne dizaine. Là, depuis le départ, depuis... Non, en arrivant au manège. Ah, si c'est là-bas qu'on va, toujours. Je sais pas. Oui, je connais pas le parcours. Hein, mais... Ah oui, ici. Oula, oui. Ah oui, mais on est presque dans le nord ici, ouh là là. Ben oui, oui. Oui, oui. Non, on y est dans le nord ici, non? Oui, on y est, bien sûr, oui, on y est. Je pense que la délimitation est un petit peu... le lac de Sandichor, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on délimite sud et nord. Après, bon, on est au début du nord, on va dire, voilà. Bah, c'est le péage, la délimitation, non? Oui. Exactement. Je pensais à ça. Oui, c'est pas bête. Oui, c'est ouais. Bien. Exactement. On partage un peu les deux zones. Après, c'est vrai que quand on est au sud de Sandichor, on peut pas dire non plus qu'on est dans le nord. Ouais, ouais. On est dans la partie nord, quoi. Oui, pour moi, le nord s'arrêtera toujours à la moitié du lac de Sandichor. Voilà. Parce que ça partage la carte plus ou moins en deux. Alors, j'ai jamais fait de... J'ai jamais trop étudié en détail ce partage, mais il me semble que ça partage plus ou moins en deux. Donc... Bah, je me balade beaucoup quand j'ai pas grand chose à faire. Oui.
Il y a de belles choses à voir beaucoup plus haut dans le nord. Oui, bah, il y a beaucoup plus de faune, de flore, de montagne. La ouais, pas que. Va bientôt apparaître, certainement, sur le mont Chiliade. Oui, ça va être magnifique. Ah oui, ce serait cool. Il y a déjà de la neige au mont Chiliade? Oui, il y en a déjà, puisque c'est énormément en altitude. Donc, au sommet du mont Chiliade. Ah, sur le pic, ouais. Ah, bah oui. Mais oui, la neige devrait pas tarder, je pense. Oui, c'est vrai, dans on... la période. Bah oui, c'est ça. On y est allé il n'y a pas longtemps, il n'y en avait pas encore, mais effectivement, ça tombait là. Moi, j'en ai vu, mais vous avez peut-être pas les mêmes lentilles de contact que moi. Ah oui, j'avais mes lunettes. Ah oui, mes lunettes. Ah oui, c'est vrai, oui. Faut que je change de paire de lunettes aussi. Ah oui, oui, oui. D'accord. Bon, si tout le monde a bien mangé, bien bu, on va pouvoir... Ah bah parfait. Pour moi, c'est parfait. Je sais pas pour les autres, mais formidable. Hein. Merci encore. Monsieur le guide, si je peux me permettre, monsieur Wallace, merci beaucoup hein, pour toute cette organisation avec mademoiselle Black aussi qui avait organisé cette sortie. Fais attention, tu vas te casser une jambe. C'est vraiment très sympathique de votre part. Hein. Pas de problème. En tout cas, beau discours, hein. Mais on n'est pas encore arrivé, monsieur Doyle. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, moi je pensais que. Faites attention, hein, votre discours, ça pourrait mal tourner dans la postérité s'il y en a qui tombe dans le ravin. Ah oui, moi je pensais qu'il y avait un bus ouais, qui nous attendait. Oui, parce que sinon, après, qu'est-ce qu'elle va relever Rappelez-vous, monsieur Dodi, à chaque sortie qu'on a faite, j'ai toujours eu un blessé. Oui, oui, c'est jamais moi qui me blesse. À chaque sortie, c'est jamais moi qui me blesse. Bon, mais on va faire attention, bien sûr. Soyons prudents, restons prudents, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, plutôt les dames avant, bien sûr. Bon, allez, à cheval, et en selle. Sur les vélos. Allez, parfait. Allez, on va sur les vélos avec moteur. Il a voulu me prendre mon vélo, Barton. Incroyable. Oh, pardon. Y'a pas de mal. Oh, pardon, encore une fois. Y'a pas de mal, y'a pas de mal. Je sais pas ce qu'il y a. Mon vélo, il a envie de le partir tout d'un coup. Hein. En même temps, c'est un vélo de course, hein. Ça part vite. Du coup, j'allais me changer parce qu'il faisait chaud et j'ai récupéré ma moto en même temps. Ah, oh ben oui, vous aviez pas de rustine. Vous avez pas la boîte à rustine? Ben non, alors en fait, on a un problème dans les mécanos, c'est qu'on peut que réparer au garage. Ah bon? Oui. Parce qu'il faut obligatoirement qu'on ait le banc à côté. Mais peut-être plus tard, on aura des outils pour pouvoir réparer partout. Ah, ben oui, ça serait bien ça. Ben oui, oui. Mais du coup, en attendant, moi, j'ai ma moto. Oh, ben vous êtes content, vous devez être fier sur votre moto. Mais vous avez vu, elle est belle, ma moto. Oh, oui, elle est magnifique, oui, oui. Elle est très, 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 très jolie. Oh, attention, il y a une grosse voiture derrière. Je crois qu'il faut la laisser passer, oui. Ça devrait passer là. Oui, oui, vous avez un 4x4, d'accord, mais bon, déboîté. C'est tout bon? Non, ah oui, t'es courageux, toi. Ah, ça va retomber sur monsieur Dodi. Par contre, de nuit, ça va être flippant, là. Pas grave, on mettra de la lumière.
Ouais. De quoi? S'il y a des couverts sur le chemin. Des quoi? Oh, oh oui, putain. Mais c'est pas grave, jamais je sortirai mon arme de service. Bah, en vrai, il y en aura pas, je pense pas avec les voitures. Bah, ça dépend quel chemin. Après, si on continue sur la route, ça va. Mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. S'ils veulent aller autre que le chemin. Ah, ouais, là, par contre, ça craint, là. Surtout de nuit, ouais. Oh bah y'a les aurores boréales qui commencent à apparaître. Oh nice. Comme ça je peux prendre un petit screenshot. Oh non, dommage. Oh il s'est pété la gueule. Hein. Pourquoi il a vraiment tout sans phare là? Oh wow! Oula, pardon. Oui. Ça va être bientôt ok hein, pour pouvoir partir avec le train. Yes. Une tête qui a fait connaissance avec un poteau. Ah. Mais y a pas de problème pour tirer un col de la. Bon. Bon, on va avoir une belle nuit bien étoilée là. Monsieur Wallace, vous avez des nouvelles sur la personne qui est blessée? Oui, ça va bientôt être bon. Madame Black a bientôt fini les soins. Ah, qui est-ce qui s'est blessé? Vous savez qui c'est? Ah, je vous laisse deviner, déjà. Encore? C'est qui? Ben, c'est soit l'un, soit l'autre. Si c'est pas lui, c'est donc son frère, donc c'est le chief. Non. Alors, ben, c'est l'adjoint. Non. L'assistant, non, ah non. Ben ça alors. Ah ben alors là je peux pas. Ce serait le médecin? Non. Il est sorti au fraude, il s'était blessé. Il est sorti au fraude. Il avait dit que c'était un peu votre faute. Ah c'est le motard? Ah bon? Monsieur Barton. Barton? Ah bah j'ai. La tête, bien sûr. Ah oui, bien sûr, il avait dit que c'était ma faute parce que je lui avais dit bonne chance, oui, c'est vrai. Ouais, bah dis donc. Où avais-je la tête? Bien sûr, j'aurais dû deviner de suite que c'était suspect. Bon, elle arrive, on peut y aller. Eh bah, parfait. Let's go.
Oh putain. Ça monte sec là, putain. Pardon, monsieur Barson.